On est de retour à Montaigu pour les huitièmes de finale de ce Black Ball Masters, le tournoi national numéro 8 à Montaigu, au pôle sportif Maxime Bossis, pour assister à cette rencontre entre Paul Koldrick, à gauche de votre écran avec le polo rouge, et à droite, Patrice Selin. Deux joueurs qui se connaissent extrêmement bien, puisque tous les deux des vétérans aujourd'hui, hein, qui connaissent bien le tableau. On regarde le parcours de Paul Koldrick, numéro 6, français, réussi à sortir du piège de Sébastien Mus, 7-5, après avoir été mené notamment 5-4 dans cette partie en 16e de finale. Et c'est lui justement qui sera à la casse dans cette première manche, qui a remporté le tirage à la bande. Une casse, deuxième bille pour commencer cette partie, qui ne trouvera pas preneur pour cette première manche. Et donc ça laisse le Breton Patrice Selin autour de la table. On regarde rapidement Patrice Selin, qui est un petit peu plus loin au classement par rapport à Paul Koldrick. 11e, très exactement. Le joueur de Dinard. Qui a réussi à battre Antoine Storm au premier tour, et qui a choisi de démarrer avec les jeunes dans cette première manche. Le Breton, déplacement plutôt court pour les joueurs de Dinard en Vendée. On a eu un beau regroupement cette année de tournois dans ce département, entre Saint-Fulgent, numéro 3, les Herbiers, tournoi national numéro 5, et enfin le tournoi national numéro 8, qui sera complété par les championnats de France en fin de week-end ici à Montaigu. Une très belle salle ici pour cette belle journée de billard. On va continuer à suivre toutes les rencontres. Regardez aussi un petit peu les autres résultats sur les autres tables, avec notamment Yannick Beaufils qui est opposé, qui était en train de mener 6-3 entre, il était opposé à David Pierret, pardon, je cherchais son nom. Puis également de l'autre côté du tableau, Alexis Klinka, numéro 2 français, qui menait 4 manches à 2 face à Mohamed Amine Imid, le Marocain. On tient bien sûr informé tous les autres résultats tout au long de la journée. Et Patrice Selin, pendant ce temps, qui fait son petit bonhomme de chemin dans cette première manche. Et donc choisit les jeunes avec cette bande. Malheureusement, ça ne passe pas pour Patrice Selin. C'est dommage, hein. Il avait tenté un coup extrêmement difficile, n'a pas été récompensé sur cette prise de risque. Le joueur de Dinard et maintenant à Paul Koldrick de pouvoir évoluer autour de la table, qui n'est pas réussi à empocher sur la casse, et qui a tout de même une table assez difficile avec les rouges, notamment ces deux billes collées là qu'il va essayer de dégager, et le bille sur bille qui ne finira pas dans la poche, sous l'incompréhension de Paul Koldrick. Paul Koldrick a notamment été maintenant 2 semaines du côté des championnats d'Europe de billard, de snooker, pardon. Ça reste du billard, c'est notre discipline. Était bien présent pour soutenir ses poulains, lui qui est le sélectionneur de l'équipe de France de snooker en Bulgarie. On soulignera notamment la médaille de bronze de Nicolas Mortreux, qui a obtenu la seule médaille des tricolores dans ces championnats d'Europe. Voilà pour les petites informations liées au snooker. Bien sûr, si jamais
Vous voulez en savoir plus sur les autres disciplines en dehors que le Black Ball? On a le snooker, le bière carambole, également le bière américain. N'hésitez pas à aller sur le site internet de la Fédération Française de Billard pour plus d'explications. Et Patrice Selin, qui est resté à la table, qui n'a concédé aucune bille rouge de son adversaire et qui est en position de mettre la main sur cette première manche en seulement quelques minutes. Plus que la noire à empocher pour le breton. Il prendra le premier avantage dans cette partie. C'est très bien fait et ça va au fond. Et Patrice Selin qui mène désormais en zéro dans cette première partie des huitièmes de finale. Alors c'est assez spécial hein, parce que Patrice Selin par exemple et Paul Coldrick sont en huitièmes de finale quand on voit par exemple que des Yannick Bofis ou encore Alexis Klinka sont encore en train de jouer leur 16e de leur côté. On est en train de speeder un petit peu dans cette journée puisque on vous le rappelle hein, dans cette journée extrêmement chargée on aura les 8e, les quarts, les demi et enfin la finale prévue aux alentours de 20h si tout va bien. Effectivement si on prend un peu de retard ça peut se finir beaucoup plus tard. Et pendant ce temps Patrice Selin est à la casse. Excentré côté droit. Avec la noire qui rentre sur cette casse. C'est ce que... C'est ce qu'on n'aime pas voir. Ici, souvent ça, hein, les contrôles de billes. Toujours difficile, ça va redonner une nouvelle casse. Patrice Selin qui avait plutôt bien géré hein, en Vendée du côté des Herbiers qui avait fini demi-finaliste notamment, ouais, qui connaît bien le lieu. Demi-finaliste aux Herbiers. Tandis que Paul Coldrick lui avait terminé notamment en finale à Hasbrouck, battu par Christophe Lambert en finale. Christophe Lambert éliminé dès les 16e de finale de ce tournoi national numéro 8. C'était tout à l'heure sur nos antennes. Défait par Kevin Lelong. Et la casse cette fois-ci qui vient empocher pour Patrice Selin. Qui empoche une jaune, permet de rester autour de la table. Il va pouvoir confirmer sa couleur, soit choisir les jaunes, soit les rouges. Une table assez difficile, hein, quand on voit cette casse excentrée côté droit. Il va aller chercher deuxième bille. Pas beaucoup d'options hein, sur cette table pour pouvoir bien évoluer. Patrice Selin qui a choisi les rouges dans cette deuxième manche. Plus abordable effectivement. Notamment en raison hein, de ces deux jaunes qui sont de part et d'autre de la noire en haut à droite de votre écran. Ils sont très difficilement empochables. Alors que sur la table numéro 4, le numéro 1 français, Yannick Bofis, rejoindra les 8e de finale. On en parlait tout à l'heure. Vainqueur 7 manches à 4 pour son entrée en lice face à David Pierret. Yannick Bofis qui rejoindra donc les 8e de finale de cette partie. Championnat enfin, tour national numéro 8, pardon. Tandis que Patrice Selin est encore. Encore sur la piste avec ses billes rouges. Yannick Bofis qui affrontera le vainqueur du match entre Gwendal Lebon et Alexandre Bussetti qui est en train de se jouer sur la table numéro 2. Allez, encore 4 rouges pour Patrice Selin sur cette deuxième manche. Pour l'instant, voilà, réussi à empocher sur la première manche. Et malheureusement, cette rouge ici. Qui n'a pas trouvé la poche en haut de table
Et ça laisse maintenant la place à Paul Coldrick de pouvoir évoluer. Alors on n'avait pas vu, hein, mais sur le coup précédent, la noire était partie hein, de ces deux jaunes, ce qui a donné aussi de l'espace à Paul Coldrick de pouvoir, pouvoir évoluer. Et tout de suite, ça a empoché une première jaune. On va d'abord se défaire du bas de table pour ensuite remonter. Pas tout à fait satisfait de sa trop-place là, Paul Coldrick. Joueur extrêmement expressif. Hein. L'Albigeois. Allez, on a le même nombre de billes de chaque côté. 4 jaunes, 4 rouges. Sur la table encore à vider. Avec un bel effet rétro pour Paul Coldrick. Une très belle ouverture là maintenant sur, sur les trois dernières jaunes. On le revoit, ce bel effet rétro ici. Venir poser l'extrémité de sa queue vers le bas de la bille blanche pour lui donner un effet rotatif vers l'arrière. Et ainsi après le contact avec sa bille de couleur, revenir en arrière. Un coup extrêmement technique. Qui est magnifique quand il est bien réalisé, comme on l'a vu là à l'instant avec Paul Coldrick. Ah, c'est bien fait là, cet appui sur la rouge. Il vient de se libérer l'espace pour pouvoir enchaîner sur les deux dernières jaunes. Tout de même un effet à donner. Pas spécialement en fait, pas besoin. Et c'est la blanche par contre qui est venue se coller à la rouge. Un petit peu empêcher la Paul Coldrick de pouvoir forcément réaliser le bon coup. Elle demandait un coup extrêmement technique encore une fois. Lui qui a notamment été champion du monde avec cette équipe de France à Albi sur ses terres l'année dernière. Mais également en 2018. Il faut trouver le bon angle pour Paul Coldrick. Arriver à empocher cette jaune et ensuite arriver à bien se replacer sur la noire. Mission délicate là pour le français. Elle va jouer tout en finesse. Ça empoche. Et derrière. La noire qui n'est pas tout à fait accessible derrière la rouge. Et il va falloir donner un effet en piqué pour Paul Coldrick. Ouais, pas le bon angle. Malheureusement pour l'Albigeois qui est obligé de céder la main à Patrice Selin. Et attention parce que cette main elle pourrait être déjà crucial pour Paul Coldrick à tenter hein, ce coup extrêmement technique. On fera une rotation avec sa blanche pour éviter la rouge et ensuite toucher, essayer d'empocher la noire. Ce n'est malheureusement pas passé pour l'Albigeois. Et maintenant Patrice Selin en position pour pouvoir tenter déjà de faire le premier break dans cette partie. Mener 2-0. On va tout de même faire attention à cette rouge tout à droite de votre écran. Quasiment collée à la bande. Passe pas. Hein. Poche centrale. Absolument la mettre soit en haut, soit en bas. Allongée de bande. Un effet rétro là en Patrice Selin. C'est pas tout à fait ce qu'il voulait peut-être hein, de choquer avec la rouge ici. C'était pas tout à fait voulu. Ça laisse tout de même une bonne option pour pouvoir empocher cette bille rouge poche du fond en bas à gauche de votre écran ici. Essayez de savoir est-ce que la replace peut être
peut être bonne pour ensuite. Ouais. Ça paraît délicat. Il va falloir réussir pour Patrice Delan à jouer un coup stratégique, soit essayer de la rentrer, mais ça paraît extrêmement compliqué sur cet angle. Soit arriver à cacher un petit peu la blanche derrière la rouge et donner un coup ainsi assez difficile à Paul Koldrick. Tout de même essayer avec la bande. Ouais, ça ne passe pas pour Patrice Selin. Alors que pendant ce temps, sur la table numéro 3, la victoire d'Alexis Klinka. C'est Iss en 8ème de finale après sa victoire face à Mohamed Abid Himid en 9 manches. 7 manches à 2 pour Alexis Klinka, numéro 2 français, poursuit son aventure dans ce tournoi national numéro 8. Alors qu'on a revu à l'instant le coup de Patrice Selin. Il a tout de même réussi à bloquer un petit peu l'espace là pour Paul Koldrick. Obligé de passer par la poche du bas, magnifique! La part de Paul Koldrick qui revient à partout dans cette partie. Ah, c'est un super coup là, réalisé par Paul Koldrick qui était vraiment en difficulté dans ce début de rencontre, qui avait besoin de se rassurer. Et ça, c'est un coup qui peut le mettre dans cette partie, complètement le lancer dans ce match. On revoit avec un angle vraiment difficile là. Une bonne quantité de billes à trouver. Et il a réussi à le faire parfaitement, Paul Koldrick. On revoit sous un autre angle. Ah, c'est un super coup. Hein. Magnifique. Sans, il est soulagé, Paul Koldrick, d'avoir réussi à empocher cette noire. Et la casse tout de suite. Pour enchaîner, Paul Koldrick qui empoche une rouge. C'est bien, ça le met vraiment dans la partie là. On avait besoin. Et pour l'instant, Patrice Selin avait vraiment réalisé un bon début de rencontre. Et le fait de revenir à un partout, ça peut le motiver pour la suite. Lui qui a été si en difficulté en 16e de finale. Face à Sébastien Musse, la Genêt. Paul Koldrick qui a réussi à se défaire de la difficulté. Et qui a décidé de choisir les jeunes dans cette troisième manche. Alors qu'il avait empoché une rouge à la casse. On le dit ainsi souvent, ce n'est pas parce qu'on empoche une bille à la casse qu'on est systématiquement obligé de choisir cette couleur. Il faut réfléchir au plan de jeu. Et Paul Koldrick a estimé que les jeunes étaient plus accessibles. C'est plutôt dirigé sur cette couleur. Notamment ces deux rouges là que vous voyez au fond à gauche de votre écran qui sont toutes les deux collées à la bande. Sans doute ce qui a provoqué ce choix des jeunes de la part de Paul Koldrick. Et qui là s'est pas mis dans une position idéale pour empocher. Alors cette jeune qui passe tout de même au-dessus de cette rouge, ouais, ça passe. Ouais, c'est bien fait, tout en finesse. Pour arriver à se positionner juste devant la dernière jaune en haut de table, vider ce haut de table pour ensuite redescendre et se rapprocher de la noire. Ouais, vraiment réussir à contourner cette rouge. À tout prix l'éviter. Oui, ça va, c'est bien réalisé. Voilà le bigeois. Gros effet. Rétro pour Paul Koldrick, pas tout à fait satisfait encore une fois l'albigeois, il aurait espéré peut-être aller un petit peu plus loin pour peut-être aller chercher cette poche centrale avec cette jaune la plus en haut de votre écran. Là il n'a pas l'espace pour pouvoir passer, il est obligé d'aller chercher l'albigeois en bas, plutôt à votre droite désormais de votre écran. Encore une fois un angle difficile à trouver pour Paul. Ouais, ça ne passe pas. Pas assez de quantité de billes à trouver par Paul Koldrick. Et Patrice Selin de retour à la table.
le joueur de Dinar, qui avait très bien débuté cette partie, qui finalement avait dû concéder cette deuxième manche extrêmement disputée. Il y a déjà plus de 20 minutes hein, de disputée entre les deux joueurs, on est seulement à la troisième manche, pour vous dire à quel point c'est serré entre les deux pour l'instant dans ce début de rencontre. Et on est en huitième de finale, hein, c'est toujours une belle bataille, et surtout que ouais, il y a des enjeux hein, pour notamment les championnats de France qui vont suivre en fin de week-end. Patrice Selin qui est aux portes du top 8. Une victoire face à Paul Coldrick lui permettrait potentiellement de pouvoir se rapprocher du top 8. Et malheureusement, cette rouge là qui ne s'empoche pas. C'est peut-être un mal pour un bien hein, pour Patrice Selin qui connaît son style de jeu plutôt attentiste. Aime bien faire jouer ses adversaires, leur donner quelques difficultés. Alors, regarde, ciel est total pour Paul Coldrick, l'arbitre de cette rencontre, Jérôme Seyeux. Très attentif à tout ça. Est-ce que Paul Coldrick doit passer par la bande? A priori, oui. Bande avant. Ah, c'est John qui reste juste devant la poche. Ah, c'est dommage. Hein. C'était le coup à faire. Bande avant, c'était un très beau coup tenté. Comme dirait un certain Yannick G, c'est un coup qu'on voudrait apprendre en école. Un coup très peu utilisé, mais qui est diablement efficace. Et là, malheureusement, ce n'est pas rentré pour Paul Coldrick. Et Patrice Selin qui pourrait en profiter avec ce bille sur bille. Empocher une deuxième rouge dans cette manche. Encore 4 pour Patrice Selin. On revoit cette bande avant là de Paul Coldrick. Ouais, il n'a pas de chance hein. Pas de réussite sur ce coup là pour l'Albigeois. Resté juste devant la poche, il n'a pas payé. Et Patrice Selin derrière qui n'en profite pas, qui a un peu de réussite hein, sur cette replace de la rouge qui revient vraiment juste devant la jaune, qu'il laisse vraiment très peu de possibilités hein, à Paul Coldrick de pouvoir évoluer sur la table. Est-ce que la jaune en bas de votre écran pourrait passer avec un angle? C'est ce qu'il est en train de regarder, c'est un peu la seule option là qu'il a, Paul Coldrick devant lui. Il va falloir trouver encore un angle très difficile à jouer. Il demande vraiment des coups difficiles depuis le début de la rencontre. Et Paul, ça ne passe pas. Il a tout de même pris la poche. Ça reste évidemment la priorité hein, dans ce type de confrontation. Quand on est dans ces duels très techniques qui peuvent durer un peu longtemps, arriver à prendre possession des poches, à éviter à ce que l'adversaire puisse réellement prendre le dessus. Et Paul Coldrick est en avance hein, tout de même. Et Patrice Selin qui s'en veut de la replace avec l'effet rétro qui a été donné. Il n'y a pas... Il ne pourra pas jouer ces deux billes rouges là qui sont en bas de table. Il est obligé de devoir aller chercher cette bille en haut de table. Avec un coup extrêmement difficile. Ouais, cette bille rouge qui rebondit à quelques centimètres de la poche. Et finalement, ça ne rentrera pas. Et il laisse Paul Coldrick. Il n'en revient pas. Il s'est dit mais comment c'est possible? Ah, c'est vraiment un coup complètement aléatoire hein, ce qu'a tenté Patrice Selin. Avec beaucoup de rebonds au contrôle de la blanche. Il s'est dit mais comment c'est possible? Et Paul Coldrick qui peut empocher cette première jaune.
reste encore deux, notamment la deuxième là, qui est à côté de la poche, qui est facilement atteignable, mais c'est derrière la replace hein, qui va être le plus difficile. Ouais, ça pourrait passer, poche centrale pour Paul Koldrick. Et c'est la même question, c'est la replace derrière sur la noire. Comment arriver à se replacer correctement, même s'il arrive à rentrer cette bille jaune. Sans trop d'effet, peut-être. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'était le bon coup à réaliser. Hein. Avec un petit effet rétro, là. Réussir à rester à proximité de la noire pour pouvoir la jouer une nouvelle fois à poche centrale, mais derrière... La poche centrale qui est venue refuser l'accès à la jaune a été malicieuse, cette poche centrale. On le sait, hein, c'est une poche qui est extrêmement extrêmement compliquée. Hein. On le revoit à l'écran, qui est venu rejeter la bille jaune de Paul Koldrick. Et ça s'est joué à quelques millimètres pour l'albigeois. Et c'est ce qui pourrait potentiellement lui coûter cette troisième manche, puisqu'il ne reste plus qu'une bille rouge maintenant à négocier pour Patrice Selin avant d'enchaîner sur la noire. Et la replace est parfaite pour le Breton. Bien réussi à passer entre les deux billes, en choquer aucune et ainsi empocher la bille noire et mener deux manches à une. Dans ce huitième de finale, ah, il peut s'en vouloir. Hein. Paul Koldrick, il n'a pas vraiment eu de réussite, hein, malheureusement pour lui. C'était au même stade de la partie tout à l'heure entre Christophe Lambert et Kevin Lelong. Kevin Lelong avait eu beaucoup de réussite sur son coup. Patrice Selin a hérité. Hein. Encore un petit peu plus de réussite à son tour. Et Paul Koldrick qui n'a pas été récompensé sur les coups un petit peu plus difficiles. Et qui est maintenant mené 2-1. Patrice Selin à la casse. Décidé de changer de stratégie. Qui avait tapé deuxième bille sur sa première casse. Et qui là est allé chercher première bille. Et qui a empoché pour la casse. Empoché une rouge. Qui va donc lui permettre de pouvoir continuer autour de la table. 1 minute 30 maintenant de réflexion pour Patrice Selin pour le choix de couleur. Et ensuite 45 secondes pour chaque coup. Commencer à le savoir. Quelle possibilité bien sûr d'extension. Disponible une fois par joueur et par manche pour se rajouter 45 secondes à son timer. Quelle couleur pour Patrice Selin, plutôt les rouges. Ouais. Décidé. Ouais, la replace par contre laisse un peu à désirer. Hein. Pour Patrice Selin. Qui a déjà empoché deux rouges hein, entre la casse et la confirmation de couleur. Et qui demande si cette bille est atteignable directement. Est-ce qu'elle est en total? La question que demande Patrice Selin. Non, 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 pas en total. Avec cette rouge ici en haut de votre écran qui est touchable directement. Et Patrice Selin contraint de céder sa place à Paul Koldrick dans cette quatrième manche. C'est très disputé entre les deux joueurs. Allemand, trois manches disputées en quasiment une demi-heure de jeu. Des manches extrêmement serrées à chaque fois. Pas de réel avantage pris par chacun. Et Paul Koldrick qui à son tour veut jouer défensif. Il y a une vraie bataille d'observation entre Patrice Selin et Paul Koldrick. Alors qu'on voit Yannick G en train de regarder son copain Patrice Selin, deux joueurs de Dinard. Pierre-Damien Coz également, qu'on reconnaît derrière.
Et on est parti sur une nouvelle bataille d'observation. C'est une véritable partie d'échecs entre ces deux joueurs. C'est le premier qui cédera. Il tentera peut-être d'empocher. Qui peut prendre la main ou au contraire se faire tout de suite punir. On l'a vu, notamment tout à l'heure en début de matinée, si vous étiez avec nous. La défaite de Kylian Ballon face à Jean-Baptiste Varva. Jean-Baptiste Varva qui avait profité des petites erreurs, mais multiples, malheureusement, de Kylian Ballon pour finalement l'emporter. Cette manche à 3, qui est une des petites surprises de ce début de tournoi. Avec également l'élimination prématurée de Christophe Lambert dès le premier tour. Et Paul Coldry qui n'arrive pas à empocher sur cette jaune, mais qui prend la poche. Ça reste un coup stratégique, qu'on le veuille ou non. Vraiment, on se regarde, on se jauge entre les deux joueurs. Personne ne veut lâcher. C'est bien normal. Parce que Paul Coldry, en étant numéro 6, a aussi besoin de ses victoires pour pouvoir s'assurer une place dans le top 8. Il a été notamment éliminé au premier tour du côté d'Agen, à moins d'un mois de ça. Le tour national numéro 7, après avoir remporté le titre individuel de la Coupe de France. Il avait été un peu en montagne russe la saison de Paul Coldry, finaliste à Hasbrouck. En du temps national numéro 2. Capable du meilleur comme du pire. L'Albigeois qui sera évidemment présent en novembre pour épauler cette équipe de France pour des championnats d'Europe. Le 1er au 8 novembre du côté de Malte. L'expérimenté Paul Coldry. Allez, c'est jaune à négocier avec l'appui de la rouge. Il n'a pas eu, la réussite une nouvelle fois, Paul Coldry. C'est le jaune qui est venu rebondir sur la rouge, mais n'a pas réussi à tirer profit. De cet appui, on voit ça sur vos écrans. Ouais, il y a un double rebond en fait sur la rouge. Ce qui a tout de même permis de prendre l'accès à cette poche en haut à droite pardon, de votre écran. Mais ça n'a pas suffi pour empocher. Et Patrice Selin derrière qui rend directement la main à Paul Coldry qui a dépassé la demi-heure de jeu dans cette partie. Et seulement 3 manches effectuées. On le rappelle, au bout des 110 minutes, 1h50. C'est celui qui est devant au score qui l'emportera en cas d'égalité entre les deux joueurs. On disputerait une manche décisive. J'ai l'impression de jouer au snooker. Là, il doit avoir des sensations, Paul Coldry, des petites touches pour gêner au maximum son adversaire. On a vu notamment Patrice Selin dire à l'arbitre total. C'est-à-dire qu'il n'avait aucun accès à sa bille rouge sans avoir besoin de la bande. Ce qui lui permet dans cette règle précise de ne pas avoir besoin de toucher la bande après le contact avec sa bille de couleur. Et c'est ce qu'il a effectué, Patrice Selin. Et on dirait qu'il y va un peu à contrario, Paul Coldry. Il aimerait bien pouvoir attaquer, pour se libérer de ce piège attendu par Patrice Selin. Le Breton qui est connu pour faire durer ses parties,
pousser quelque peu à bout son adversaire. Ça fait partie des stratégies, hein, évidemment. C'est pas ce qui est le plus spectaculaire à regarder. Mais ça fonctionne, et il suffit que je dise ça pour que la jaune soit empochée et que Patrice Hulin soit fautif sur cette action. Donner un tir libre désormais à Paul Koldrick, qui va pouvoir gentiment se défaire de cette jaune, la placer parfaitement au milieu de table et maintenant pouvoir évoluer. Le tir libre, hein, pas besoin d'empocher. On a un deuxième coup derrière. Attention tout de même à ce B sur B là pour Paul Koldrick. Ça va, c'est bien réalisé. Toujours un coup très technique à faire. Il faut bien prendre le maximum de quantité de billes pour ensuite aller trouver sa deuxième. Et Paul Koldrick qui déroule dans cette quatrième manche, qui va peut-être pouvoir profiter de cette erreur de Patrice Hulin. C'est finalement lui qui aura cédé en premier dans cette manche. Extrêmement tactique à le replacer. Ouais, presque parfaite. Elle est vraiment bonne. Hein. Normalement, il devrait pouvoir empocher. Voilà qui est fait. Et elle est magnifique. Hein. Cette replace de Paul Koldrick sur cette dernière jaune. Un modèle. C'est un modèle. Et puis derrière, il est tout droit sur la noire. Presque tout droit. Mais en tout cas, ça lui permet de recoller à deux manches partout dans cette partie. Paul Koldrick qui partait à toutes enjambées faire une pause, peut-être se quitter quelques instants juste après ces quelques ralentis, notamment cette replace hein, sur la jaune, magnifique. On va se quitter quelques instants avec cette pause, puis on se regarde un souvenir peut-être qui va vous plaire, la finale de 2016 mondiale. Fini le ralenti quand même avant de pouvoir lancer le reportage. C'était ce jour-là, notamment avec Christophe Lambert. Alors, oui, il me demandait la pause. Voilà qui est fait. Allez, à tout de suite. Ce jour-là, on est à Killarney. On est le 16 octobre et l'équipe de France est qualifiée pour la finale du championnat du monde de Black Ball. L'équipe homme donc affronte le pays des Galles. On a joué le Pays de Galles au premier match de poule et on se retrouve en finale contre le Pays de Galles. Good evening, fans. Good evening. Donc il y avait un petit côté de sourire au départ, de se dire « Alors les gars, vous avez fait le parcours ?» Parce qu'ils ont fait chacun leur chemin de leur côté et nous aussi. Donc il y avait cette ambiance. Alors on était adversaires, mais il y avait un petit côté, on était content de se revoir, j'avais l'impression. Lovely to be here, Terry. Thanks for coming along. Have you enjoyed your week? It's been great, mate. Every tournament. La salle de compétition est au rez-de-chaussée et c'est une grande salle dans laquelle sont installés les 40 billards. Tout le public est très proche des billards, il y a une réelle proximité. On ne joue pas à domicile, on le sent, hein, on n'est pas sur nos terres, mais on peut compter sur un groupe France solidaire entre eux. Il y a une ambiance autour de nous qui est assez forte. Il y avait tous les supporters français qui étaient venus, qui avaient fait le voyage avec nous, qui étaient à côté de nous. On sent que c'est le jour où c'est là où il va se passer quelque chose. C'est là où on va donner des titres ou repartir avec des joies ou avec un peu de regret, de peine ou de pleurs même. Donc c'est la journée où on sait qu'il faut être là. Yeah. C'est une équipe qui, je pense, a autant peur de jouer contre nous que nous, on a peur de jouer contre elle. Ouais, les deux équipes, au début du match, elles sont au coude à coude. Hein. Il n'y a pas une équipe qui se détache de l'autre. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, et ça continue comme ça. Tout au long du match, les deux équipes sont au coude à coude. Ça gagne une partie d'un côté, ça en gagne une de l'autre. La France mène, le Pays de Galles recolle, le Pays de Galles reprend une partie, on recolle, on arrive à 4-4 en fait. La suite du match, on est toujours un peu resté au coude à coude. Juste, il y a un moment où par contre là, ça devient très dramatique pour l'équipe de France puisque le Pays de Galles mène 12-10. Il y a danger car c'est la première équipe qui marque 13 points qui gagne.
Donc le Pays de Galles est à une partie d'être champion du monde. Et nous, il faut qu'on en gagne 3. Là, on sait qu'on a une phrase au billard. Tant que la dernière bille n'est pas rentrée, tout peut se passer. On n'était pas loin de la vérité. Oui, on était mené. Oui, ça pouvait faire peur. Mais voilà, on est resté quand même bien concentré à se dire, c'est que 3 parties, on est capable de le faire. Les joueurs commencent un petit peu à revenir dans le match. Ils sont très prudents. Ils ne s'emballent pas sur des parties risquées. Ils attaquent au bon moment, quand il faut. On gagne une partie, on revient à 11-12. Les deux dernières parties, on a Sébastien Ramier et Richard Lemaire. Et Sébastien arrive à nous prendre le point pour arriver à... On est à 12-12. Entre guillemets, je ne vais pas dire que c'est un super scénario. Forcément, on a tous peur, on est en stress maximum, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On est dans une ambiance exceptionnelle. Championnat du monde, on est à 12-12. Bon, eh ben écoute, on va la jouer et on va se faire plaisir, mais par contre, on va essayer de la gagner surtout. Partie décisive. Là, c'est Richard Lemaire qui est sur sa partie. Je me souviens, oui, du stress, les mains qui collaient. On ne savait plus, on piétinait sur place. On attendait de savoir vraiment si ça allait bien se passer comme on le pensait. Est-ce que Richard allait avoir les nerfs assez solides pour aller au bout de cette partie ? Et ça offre l'opportunité à Patrice Selin de choisir sa couleur. Plutôt se diriger vers les rouges. Sans trop d'hésitation. Avec 1 minute 30 pour réfléchir, il a tout juste pris 15 secondes pour se décider. Qui est peut-être revenu avec d'autres ambitions. Après ces 4 premières manches extrêmement longues. Passer le demi-heure de jeu entre les deux joueurs. Et Patrice Selin qui a empoché la rouge, a réussi à récupérer sa couleur et puis maintenant qui va essayer de à nouveau empêcher Paul Coldrick d'évoluer. Paul Coldrick qui fait partie de ces équipes de France championne du monde par équipe. On l'a vu, cette finale incroyable face au Pays de Galles. On repassera. La fin du reportage plus tard. Mais en tout cas, les deux joueurs sont de nouveau dans une bataille vraiment psychologique ici. Avec à nouveau Patrice Selin qui vient essayer de récupérer cette poche. Non, c'est pas tout à fait bien réalisé. Ouais, y a de la place là pour la jaune. Est-ce qu'il va pouvoir peut-être empocher ? Ça me paraît difficile, mais au moins reprendre le contrôle de la poche, c'est possible. Avec l'appui de cette jaune ici. Voilà, parfait. Venir se caler juste devant la rouge. Très bien exécuté là de la part de Paul Coldrick. On a marre de billes, 6 billes, 3 de chaque côté qui sont bloquées là complètement en haut à gauche de votre écran. Aucune qui est accessible directement à l'empoche. Oh, c'est magnifique ça, la part de Patrice Selin qui a réussi à empocher une rouge comme ça. En vraiment venant décagner tout le reste, tout en force, mais c'est passé. Pour Patrice Selin.
Et qui dans l'eau, hein, il y avait Sibi, il n'y en a plus que trois, hein, qui sont encore dans l'espace là. Attention à cette bille rouge qui rebondit. Oh, vers le milieu de table et la pole centrale qui est trouvée par Patrice Selin. Excusez-moi, j'en perds ma gorge. Mais c'est un coup plein de réussite. Hein. On l'a vu s'excuser, Patrice Selin. Absolument pas anticipé que cette bille rouge allait finir dans la pole centrale. Un coup involontaire, évidemment. Et voilà le coup défensif maintenant pour Patrice Selin. Il décide de bloquer la route là, de Paul Coldrick. Il aurait bien voulu se placer encore plus proche de la jaune, vouloir vraiment la coller à la blanche, mais Paul Coldrick arrive à s'en sortir. Il faut voir maintenant si Patrice Selin pourrait se lancer à la conquête de ses 4 dernières billes rouges, ou alors une nouvelle fois choisir l'option plus défensive, plus attentive. Il est devant pour l'instant Patrice Selin dans cette 5e manche. Et justement, qui dit être devant dit aussi être plus vulnérable aux attaques de son adversaire. C'est évidemment quelque chose à prendre en compte pour le Breton. En tout cas, cette bille rouge, il va l'empocher en bas à gauche de votre écran. Il va venir se déposer devant la bille jaune. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qu'il voulait faire? J'ai pas l'impression. Elle a pas l'air tout à fait contente, cette replace. Le Breton va être obligé de remonter pour cette bille rouge à poche centrale. Très probablement, il y avait cette bille rouge également en bas à droite de votre écran ici, qu'il a espéré peut-être vouloir dégager un peu le passage en sortant les jeunes qui étaient devant. Malheureusement pour lui, il est tombé contre un mur de billes jaunes. Avec un coup. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable ce que m'a réalisé Patrice Selin, comment il a réussi à éviter toutes les billes jaunes et la bille noire là, avec cette replace, en faisant pas moins de 3 bandes. Il a réussi à toutes les éviter, à se replacer sur la rouge, empochable du coup en haut à gauche votre écran. Ça reste un coup extrêmement difficile, et surtout la replace pour la dernière rouge paraît extrêmement délicate derrière. Mais à ce petit jeu là, ah, c'est fantastique. Les coups, la manche de Patrice Selin, elle est exceptionnelle. Vraiment, il a rentré en 2 billes qui n'étaient pas du tout prévues pour. 2 fois pole central. Ah, c'est du grand spectacle, hein, ce que nous propose le joueur de Dinard. Bon, qui du coup est mal placé maintenant pour cette dernière bille rouge, mais... Mais il a tenté de l'empocher en bas gauche de votre écran. Finalement, ça a rebondi et c'est reparti vers la poche centrale du haut. Incroyable. Le coup de réussite, une nouvelle fois, de Patrice Selin. Je pense que Paul Coldrick doit être passablement énervé de cette petite réussite là de Patrice Selin, qui va peut-être tenter en bande. Hein, cette fois, il n'a pas vraiment le choix. Bon, d'essayer d'aller trouver la poche centrale, ce sera trop court pour le Breton. Et ça permet ainsi à Paul Coldrick de pouvoir revenir autour de la table. Alors, c'est vrai que cette bille rouge, du coup, est quand même un peu en plein centre, en haut de la table. Donc, elle n'est pas en position d'être vraiment gênée. Hormis si Paul Coldrick arrive à bien la cacher derrière le jaune, c'est peut-être ce qu'il va essayer là ici. Ouais, ça paraît plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt bien de la part de Paul Coldrick. Alors qu'on revoit la tentative de Patrice Selin sur cette dernière bille rouge. Un petit peu trop court. Après la bande, réussi à empocher. Et c'est dans cette replace du coup de la dernière rouge, il a complètement envoyé la bille noire contre la bande, et Patrice Selin qui est contraint à la faute. Elle n'était pas totalement visible, cette bille rouge.
Paul Coldrick qui avait bien réagi là avec ce coup de défense qui a demandé la replace de la blanche. Le tir libre doit servir, en tout cas dégager la bille jaune et la bille noire qui sont collées en bas de table, alors qu'on revoit la tentative Patrice Solin de toucher cette rouge n'est pas passée sans bande. Et Paul Coldrick qui a joué son tir libre, il n'a pas décidé finalement de séparer la jaune et la noire. Il préfère se laisser ça pour plus tard. D'abord sécuriser le milieu de table. Aller empocher ces billes là, qui sont facilement atteignables. Et ensuite s'atteler au bas de table. Et enfin empocher la noire pour reprendre l'avantage dans cette partie. Pour prendre pour la première fois l'avantage même dans cette partie face à Patrice Selin, qui a pour l'instant toujours été devant. 1-0, 2-1 en début de rencontre. La replace est belle pour l'Albigeois Paul Coldrick, qui a eu beaucoup de difficultés à se défaire de Sébastien Muss au premier tour et qui là est également en difficulté dans ce huitième de finale. Ouais, tout en finesse, c'est bien réalisé et la replace est très bonne là pour cette jaune. Il voulait donc la jouer comme ça. Pas spécialement se défaire de cette difficulté tout de suite. Et c'est maintenant qu'il a pu en profiter pour se sortir de ce piège. Allez, encore deux jaunes pour Paul Coldrick. Avec ce bel effet rétro, attention à ne pas trop se mettre en plein milieu là pour... Pour l'Albigeois, à devoir avoir un angle, ouais, pas tout à fait content là, Paul Coldrick. Il le sait qu'il a été un petit peu trop long sur cette replace. Et du coup, l'angle demandé est vraiment beaucoup plus délicat que normalement aurait dû l'être. Ça complique sérieusement sa tâche à Paul Coldrick. Mais cette bille jaune est bien empochée ici. Très beau coup de la part de l'Albigeois qui a réussi un coup extrêmement difficile. Et maintenant la noire en longée de bande qui y va. Et c'est fait pour Paul Coldrick qui mène désormais 3-2 dans cette partie. La première fois de la rencontre. L'Albigeois prend l'avantage dans ce huitième de finale. On revoit cette jaune magnifiquement déposée dans la poche et la replace tout aussi excellente de la part de Paul Coldrick qui a ensuite bien réussi à enchaîner avec la noire. Et pour la première fois de la partie, la classe aura été avantageuse pour Paul Coldrick qui mène désormais 3-2. Au tour de Patrice Solin de réagir, première bille. À la casse, c'est une bille rouge qui est tombée dans la poche centrale et qui peut désormais confirmer sa couleur. Une table rouge assez dégagée, il y aura seulement la rouge peut-être la plus à droite de votre écran, un petit peu gênée par la jaune à l'empoche. Et derrière, c'est une table plutôt ouverte pour Patrice Selin, alors qu'on a quasiment atteint le milieu du temps imparti. Vous voyez, Paul Coldrick qui est en sueur actuellement. Il fait très chaud ici à Montaigu. On est en été, même si la salle est très grande, très spacieuse et on a quand même beaucoup de place pour circuler. Il fait quand même extrêmement chaud. Toutes ces périodes de la journée. D'où le fait de s'aérer un petit peu avec son polo, Paul Coldrick.
Et Patrice Selin pour l'instant qui est en train d'essayer de nettoyer la table. Ce serait la première fois une partie un petit peu plus rapide, on l'espère, dans cette rencontre. On a quasiment passé l'heure de jeu entre ces deux joueurs et seulement 4 manches de jouer. C'est pour dire à quel point chaque manche a été disputée depuis le début de cette rencontre. 5 manches, pardon. Effectivement, il y a 3-2 pour Paul Koldrick. Ça reste tout de même un rythme assez lent, hein. Quasiment 10 minutes pour chaque manche. On n'a pas eu de ferme, en tout cas. C'est moins qu'on puisse dire. Et pourquoi pas ici, avec Patrice Selin. Dans une bonne replace derrière cette rouge. Ouais. Alors, il faudra voir exactement ce qu'il veut faire derrière cette replace. Est-ce qu'il veut aller chercher poche centrale avec la bille rouge la plus en haut de votre écran ou aller au contraire à la bille la plus en bas et chercher la poche du fond? Et ça me paraît déjà très compliqué pour pouvoir se replacer correctement. Ouais, plutôt partir poche centrale, c'est ce qui me paraissait le plus logique ici. Bon, le joueur de Dinard et la replace qui est très bonne derrière sur la rouge poche centrale pour réussir à contourner cette jaune qui pouvait peut-être le mettre en difficulté. C'est important pour Patrice Selin de tout de suite revenir au contact, ne pas se faire décrocher par Paul Koldrick, parce qu'après derrière c'est très difficile de pouvoir remonter ce type de joueur. La place est délicate là pour Patrice Selin, il faut jouer vraiment ça tout en finesse. Ne pas toucher la jaune et prendre appui sur le rebord de la poche centrale, c'est très bien réalisé. Et derrière, plus qu'une rouge avant de pouvoir s'attaquer à la noire. Et la noire derrière qui est assez difficile à empocher, elle est au milieu de toutes ces jaunes, elle n'est pas évidente. Comment va-t-il s'exécuter Patrice Selin pour cette dernière rouge qui passe, hein, poche du fond avec un léger recul, et malheureusement il est venu toucher la jaune dans sa replace. Et c'est encore plus bloquer le passage là, avec maintenant cette jaune qui est venue se placer devant. Comment est-ce qu'il peut s'en sortir Patrice Selin? Il va devoir jouer un coup assez difficile, aller chercher la poche en bas droit de votre écran. Non, il a essayé, ouais. Ah, c'était un coup extrêmement difficile. Il a essayé de prendre appui sur la jaune pour aller chercher la poche du fond, mais l'autre. Et c'est un coup qui demande énormément d'aléatoire. Et Patrice Selin qui est obligé de rendre la main maintenant à Paul Koldrick. On revoit la tentative de Patrice Selin. Jouer une grosse part d'aléatoire, on l'a vu notamment sur la quatrième manche. Avoir un petit peu de réussite. Non, c'était sur la cinquième manche, pardon. Mais maintenant, il est dos au mur à nouveau, Paul Koldrick. Patrice Selin, pardon, est dos au mur. Parce qu'il ne reste plus que la noire à jouer et que Paul Koldrick a décidé de bloquer le passage. Et voilà qui est fait. Patrice Selin qui est contraint à la faute. Il a donné un tir libre maintenant à Paul Koldrick. Tout ce qu'il espérait, l'Albigeois. Ce qui va demander le rappel de la blanche. Il a le droit à voir si c'est judicieux ou non. Ouais, il va le demander.
encore une partie hein. Extrêmement serrée, même si Paul Coldrick il n'a pas eu spécialement encore d'occasion pour jouer. Maintenant il est en bonne posture pour pouvoir aller décrocher cette sixième manche et réaliser le premier break de cette rencontre. Mené 4-2. Et quand même cette jaune hein, qui n'a pas réussi à sortir la trajectoire de la noire en tout en haut de votre écran, complètement collé à la bande. Véritable problème là pour Paul Coldrick. Il va devoir trouver une solution ici. Et il peut, c'est qu'il a peut-être tenté, voilà. Aller une nouvelle fois bloquer le passage à Patrice Selin pour se laisser un deuxième tir libre. Et ainsi pouvoir bénéficier d'un deuxième coup gratuit. On a déjà eu un. Un petit peu plus tôt dans cette manche. Patrice Selin. Eh non, ça ne passe toujours pas. Bloqué par cette jaune. Contraint une nouvelle fois à la faute. Patrice Selin. Un coup extrêmement difficile hein, qui a été demandé. Mais peut-être aurait-il été plus judicieux d'aller chercher la bande. Ça dépend du choix du joueur, évidemment. C'est toujours la libre interprétation de chacun. Et Paul Coldrick, pendant ce temps, a pu profiter de son tir libre pour se sortir cette big jaune qui était bloquée jusqu'à présent par la noire du passage. Et maintenant, il devrait pouvoir nettoyer cette table. Désormais, attention tout de même à la replace, ça va. Ne pas se coller quand même. Là, il a vraiment 5 billes jaunes qui sont extrêmement éclatées tout autour de la table. Il demandait quand même beaucoup de trajet de la blanche. Bien rester concentré. Très appliqué sur chaque coup. Paul Coldrick a besoin là de. D'enchaîner. Ah, il n'y a plus que 3 billes jaunes. Paul Coldrick qui va peut-être punir là. Patrice Selin, ses deux fautes. La répétition. Attention à cette replace encore une fois. Ouais, il va se garder cette bille jaune pour la poche centrale en dernière. Et ensuite, aller chercher la noire. Attention à pas trop se coller tout de même. Ça ne facilite pas les choses à chaque fois, Paul Coldrick. Il aime bien se donner un peu plus de challenge à chaque fois qu'il doit terminer les tables. Même si c'est pas un angle extrêmement compliqué pour lui. Il est quand même plus facile à faire. Et derrière la noire, facilement empochable. Et voilà, Paul Coldrick qui mène désormais 4-2 dans ce 8ème de finale. Il réalise le premier break. Après avoir été mené 1-0 et 2-1, le voici maintenant devant 2-2 manches. Remporter les trois dernières manches, hein, Paul Coldrick. En très bonne forme. Là, le bijouis, on sent que la pause à 2-2 lui a fait du bien. Faire un petit tour aux toilettes pour se ressourcer. Et repartir sur de meilleures ambitions, de meilleures bases. Et voilà, on saurait trop que. Qui était presque un petit peu trop long là cette fois. Ça, il s'en est bien tiré derrière. Et ensuite pouvoir empocher cette sixième manche. Et le voici maintenant devant et avec la casse. En plus de cela, à jouer pour Paul Coldrick. Première bille, tout en puissance. Avec cette blanche, tout projet d'être empoché, mais ça tient. Mais aucune bille qui n'aura trouvé la poche dans cette casse. Et Paul Coldrick qui va donc laisser sa place à Patrice Selin. Une table assez difficile hein, ici. Pas trop d'opportunités de pouvoir confirmer une couleur. Il y a peut-être la rouge empochable. Poche centrale, mais il y avait cette jaune. Effectivement, qui passait également en bas de table. On ne l'avait pas vu.
Et derrière la replace qui est encore une fois un peu compliquée là pour Patrice Selin, qui va devoir jouer un angle un peu plus difficile pour cette jeune bas de table. Il va donner la bonne quantité de billes. Ouais, pas assez bien touché. Et du coup, ça l'oblige à rendre la main une nouvelle fois. Une rencontre vraiment serrée entre les deux joueurs, chaque manche qui est toujours disputée. On y a cru un sixième manche à ce que Patrice Selin nous réalise une casse ferme. Mais ça, derrière, ça continue à durer encore et encore. Qu'on a dépassé maintenant de quasiment 5 minutes l'heure de jeu. Plus que 45 minutes au chronomètre. Et seulement 4-2. On sent vraiment que chaque partie se joue à rien du tout. Souvent à la noire, que ça se décide. Et Paul Coldrick a une table assez difficile avec les rouges, avec ces deux groupements de 3 billes, à devoir négocier. À savoir quel va être son choix maintenant. Est-ce qu'il va plutôt décider de partir à poche centrale en remontant, ou au contraire en descendant et choisir la poche du fond? Ouais, plutôt choisir poche du fond. C'est mieux placé pour ce coup. Chercher la bille entre les deux. Et malheureusement, ça ne rentre pas. Ouais, il est frustré, Paul Coldrick. Il avait une vraie opportunité là de pouvoir faire l'écart. Et derrière, les deux billes, hein, que ce soit à gauche ou à droite, ils ne sont pas entièrement devant la poche. Ce qui, du coup, donne l'opportunité à Patrice Selin de pouvoir empocher. Derrière, et une nouvelle fois, une replace approximative pour le Breton. Un petit peu collé à la noire et qui doit trouver un angle quasi impossible avec cette jaune. Et ça sera pas assez fort. L'angle était bien trouvé. Mais on le disait, hein, la position du chevalet permet à la main de passer au-dessus de la bille adverse. En l'occurrence, la bille noire ici. Et qui n'offre aucune véritable puissance à son coup. Et donc, cette bille jaune qui est restée devant la poche sans être empochée. Et Paul Coldrick derrière qui est venu un peu sortir tout ça. C'est une nouvelle bataille, encore une fois, comme on en a eu depuis les six premières mains. Encore une bataille tactique, décidément. C'est toujours extrêmement tendu entre les deux. Beaucoup de mal à définir un réel favori là pour ces manches. Toujours très indécis, et cette rouge maintenant qui est venue se placer devant la jaune. Ah, c'est à chaque fois une exécution qui est extrêmement délicate, mais et bien on est venu une nouvelle fois bloquer du côté de Patrice Selin cette poche. On voit à droite de votre écran. Ah, c'est très bien joué, c'est de la part de Paul Coldrick qui est venu coller la blanche à la bande et venir sortir également cette bille rouge qui reste. Oui, il a eu chaud, Patrice Selin. Je me faisais la réflexion à l'instant, mais c'est vrai que les joueurs ne prennent que très peu de temps de réflexion à chaque fois pour décider de quelle bille choisir et de comment la positionner. Et Patrice Selin a failli faire une erreur fatale dans cette septième manche en venant empocher la rouge. Heureusement pour lui, elle est bien restée devant la poche. Il ne doit pas concéder de faute sur cette main. On le sait, hein, le premier qui se mettra à la faute dans cette partie en paiera le prix. Parce que toutes les billes sont relativement proches des poches, hein, forcément. On les a toutes rapprochées les unes des autres. Ce qui complique encore plus les choses pour le joueur.
alors qu'on a un premier qualifié pour les quarts de finale du Blackball Masters, tournoi national numéro 8, et c'est Maxence Pruvot, le joueur d'Arras, qui est venu se qualifier pour les quarts de finale et qui est venu à bout de la salle féminine présente ici dans ce dans cette division Marion Jude. Maxence Prévost qui sera donc bien au rendez-vous. Catégorie région de Biarritz, dans ces quarts de finale. Thomas Anthony, Biarritz, Clément Patrice, Thomas Anthony, Biarritz 6, Daéron David Bobat Irfan, Biarritz 6, Daéron David Bobat Irfan. Maxence Prévost qui pourrait retrouver en quart de finale notamment un certain Christophe Thébault, une affiche extrêmement intéressante, alors que pendant ce temps, Patrice Selin s'est mis à la faute face à Christophe Thébault, j'allais dire Paul Koldrick. Pardon. Un duel très serré entre Alexandre Bussetti et Gwendal Lebon. Numéro 4. Aïe aïe aïe. Le regard un peu dégoûté de Paul Koldrick. Qui s'est collé à la rouge là avec son tir libre. Il n'a pas su en profiter de cette erreur de Patrice Selin. Et derrière, il est obligé de jouer un coup relativement difficile. C'est dommage de ne pas avoir réussi à profiter de cette erreur. Il avait réussi à le pousser à la faute. Et cette rouge qui va être empochée est magnifique. C'est de la part de Paul Koldrick qui faisait tellement la tête il y a quelques secondes, dépité de s'être replacé et qui est arrivé à se reconcentrer, à se dire allez j'y vais. De ne pas me laisser faire par le sort. Et finalement, elle a réussi à empocher cette bille rouge en haut de votre écran. C'est magnifiquement réalisé. Et maintenant, il faut qu'il enchaîne. Paul Koldrick avec 4 billes encore sur la table avant de pouvoir aller chercher la noire. Et c'est maintenant que ça se complique pour l'albigeois. Avec une nouvelle replace qui n'est pas encore tout à fait bien réalisée. Il le sait, hein, Paul Koldrick. Quelques petites erreurs dans son jeu depuis le début de cette partie qui peuvent à chaque fois le mettre en difficulté. Et voilà, cette bille rouge qui ne passe pas dans la poche du bas. Et qui donne ainsi une nouvelle fois la main à Patrice Selin. On sent que la chaleur a un petit peu raison là de Paul Koldrick qui essaie de se ventiler assez régulièrement. Il a l'air d'avoir très chaud. Le Britannique d'origine. Alors est-ce qu'elle est totale? C'est ce que Paul Koldrick demande à l'arbitre de cette rencontre, Jérôme Seyeux. Le chronomètre a été mis sur pause. Elle n'a pas l'air d'être totale. D'après ce que dit l'arbitre, et Paul Koldrick ne comprend pas. Ouais. Il est un peu surpris là, Paul Koldrick. Et du coup, il faut qu'il la joue. Avec la bande, ça va être fait. C'est bien réalisé. La porte de Paul. Dire un peu d'effet dans cette septième manche, Paul Koldrick, qui avait une opportunité de pouvoir creuser un petit peu plus l'écart, mener 5-2.
qui a une nouvelle fois est contraint à devoir jouer des coins un petit peu plus difficiles parce que de son côté Patrice Selin reste très calme et positionne ses billes petit à petit. Sont maintenant à proximité des poches. Et Paul Coldrick obligé de défendre à chaque reprise. Pas le choix. Pas d'opportunité de pouvoir empocher puisque cette jaune est littéralement devant. C'est bien réalisé la part de Patrice Selin qui a fait exprès de ne pas empocher cette jaune et de littéralement bloquer cette blanche collée à la rouge là. Très compliqué à jouer. De retour d'un tout petit coup. Ouf. On a des sueurs à chaque coup entre les deux joueurs parce que là, cette jaune a la feuille tombée encore une fois. Bon, Paul Coldrick. Je joue vraiment avec le feu. Il est obligé de. Patrice Selin de devoir se sortir de cette situation. Pas le choix. Il faut à tout prix conserver cette bille jaune devant la poche pour empêcher Paul Coldrick de passer. Et plus ça avance, plus cette bille jaune elle est importante. Pour Patrice Selin, tout l'intérêt pour lui est de vraiment garder cette bille qui est de plus en plus bloquée maintenant aussi. Impossible à jouer en direct. Et c'est là aussi où on voit le potentiel avantage de Patrice Selin d'avoir 4 billes, tandis que Paul Coldrick n'en a que 3. Un vrai travail de sap entre les deux joueurs. Le premier qui fera un coup de travers pourrait permettre à l'autre d'en profiter. On sent que Patrice Selin, il prend pas spécialement beaucoup de temps pour réfléchir à ses coups. Il veut essayer de se mettre le plus loin possible en haut de la table pour donner des coups plus difficiles à jouer à Paul Coldrick. Et Paul Coldrick, il continue à jouer avec ses coups sur des rouges. Un peu comme aux échecs. Il essaye de faire un pat. Impossibilité de jouer. La part des deux protagonistes. Complètement coincés les uns l'un avec l'autre. On sent qu'on ne va jamais s'en sortir dans cette manche. Et des joueurs qui ne veulent vraiment prendre aucune initiative. Il va falloir arrêter tout ça, s'il vous plaît, messieurs. Et Paul Coldrick qui ne cède pas. Elle est vraiment à deux doigts à chaque fois de tomber cette jaune. Mais elle résiste. Elle tient bon. Et Patrice Selin qui à chaque fois essaye en fait d'empêcher Paul Coldrick de pouvoir jouer la troisième rouge hein, qui est à gauche de votre écran. Collé contre la bande. Et ça tient encore. C'est impressionnant, alors que pendant ce temps, peut-être une information qui va faire plaisir à Patrice Selin, la victoire, la qualification de Pierre-Damien Coz en quart de finale, son coéquipier du côté de Dinard, deux joueurs qui s'apprécient beaucoup. Ouais, nouveau coup maintenant à jouer pour Paul Coldrick, qui est vraiment poussé à la faute là, par Patrice Selin. On le savait, hein, l'avantage de billes
de pouvoir avoir plus d'options pour pouvoir se déplacer. Et puis ces deux Bijonnes hein, qui sont toutes les deux en milieu de table, facilement touchables à chaque fois. Et en revanche, Paul Coldrick, il y a des billes qui sont difficilement à chaque fois atteignables. Et voilà, qui va essayer de revenir vers le milieu de table. C'est une partie qui n'en finit plus. Hein. Cette septième manche fait presque une petite vingtaine de minutes qu'on a commencé cette septième manche. Et pour l'instant, aucun des deux joueurs ne veut céder. Et ça pourrait être le moment choisi par Patrice Seulin pour accélérer. Ces trois jeunes maintenant qu'il a réussi à positionner plus près des poches. Et Patrice Seulin, une nouvelle fois coincé par Paul Coldrick. On est vraiment sur une guerre de nerfs là, entre les deux joueurs. Et même pour nous dans le poste commentateur. En train aussi de perdre nos nerfs. C'est un véritable casse-tête là, savoir lequel des deux va avoir l'avantage. Et ça fait... Ah, ça fait une bonne vingtaine de minutes hein, que cette septième manche a commencé. En réalité, ça profite hein, aussi à Paul Coldrick, puisqu'on va tout droit vers la fin du timer. Il y a ce petit jeu-là. Si jamais on atteint la barre de l'heure 50, eh bien on prendra le score actuel, c'est-à-dire 4 manches à 2 pour Paul Coldrick. Et ça lui assurerait ainsi... la qualification en quart de finale. C'est peut-être aussi ce qu'il est en train d'envisager, Paul Coldrick. Quitte à devoir refuser un peu le jeu. Eh bien, ça va se faire au timer, cette histoire. Attention hein, tout de même, parce que Patrice Seulin n'a pas dit son dernier mot. Continue à essayer de le piéger. Et l'arbitre de la rencontre qui indique hein, aux joueurs qu'il faut maintenant essayer d'empocher. Commence à être un petit peu trop long là. Il va falloir se bouger là. Pour faire bouger les choses. À moins que cette septième manche puisse aller au bout. Parce que là, on a l'impression que les deux joueurs ne sont clairement pas prêts à vouloir céder. Et ça demande une concentration extrême hein, de la part de ces deux joueurs qui sont aussi très propres hein, l'un comme l'autre. À chaque fois, même si c'est pas impressionnant, ça fait quand même une bonne vingtaine de minutes qui sont sur la même partie et aucun des deux ne fait faute. Il y a eu une faute hein, tout à l'heure de Patrice Seulin et Paul Coldrick n'avait pas réussi à en profiter. Mais c'était il y a quasiment 10 minutes maintenant. Mais le chronomètre pendant ce temps qui tourne, plus que 28 minutes de jeu. C'est aussi quelque chose d'assez nouveau hein, dans ce billard Black Ball, quand ce sont des matchs comme ça qui sont arbitrés au Black Ball Masters. Cette limite d'une heure 50 qui contraint les joueurs aussi à devoir développer plus de jeux. On a vu hein, notamment à Agen des parties qui ont duré 2 heures, quasiment 3 heures pour certaines, sur des tables qui n'étaient pas arbitrées. Et voilà Patrice Seulin qui va devoir passer à l'attaque maintenant, qui doit empocher cette jaune, recoller à
à 3 billes de chaque côté. Ah, c'est pas une partie qui est super plaisante, hein. On va pas se mentir à commenter et à vous faire vivre avec des émotions, mais c'est vraiment spectaculaire de voir à quel point ces deux joueurs ne lâchent vraiment rien. Et avec l'appui de cette jaune, non, ça ne passera pas là pour Patrice Selin. Paul Coldry qui revient à la table, parce que surpris de devoir continuer à jouer. Mais on le dit, hein, ce chronomètre qui tourne à l'avantage pour l'instant de l'Albigeois. C'est quasiment assuré une manche qui a duré bien 25 minutes là, depuis le 4-2. Faudra regarder exactement combien de temps elle a duré, mais vous pourrez chronométrer chez vous de votre côté. C'est Ah, ça y est. Voilà, donc les deux joueurs qui ont dit qu'il y avait patte, donc et finalement cette septième manche qui va devoir être jouée, parce que les deux joueurs ont décidé que ça n'avançait pas. L'arbitre est allé les concerter, leur demandant si jamais ils avaient l'intention de pouvoir jouer. Et du coup, qui a décidé de reporter cette septième manche et de devoir tout recommencer. Manche qui a duré bien une demi-heure et les deux joueurs qui n'ont pas voulu céder. Donc voilà. Septième manche à rejouer, toujours 4-2 donc pour Paul Coldrick et à nouveau Patrice Selin à la casse. Avec du coup le nombre de billes restants. Après tirage à la bande. Et malheureusement pour le Breton, pas de billes empochées. Et donc Paul Coldrick, comme une casse normale, hein, va pouvoir choisir sa couleur. Lui qui avait les rouges tout à l'heure, il peut tout à fait maintenant choisir les jaunes. Avec 4 billes de chaque côté, il y en avait 3 tout à l'heure. Et 1 minute 30 de réflexion pour Paul Coldrick. Est difficile hein, de se remettre dans le bain après des parties qui durent aussi longtemps. Assez épuisante mentalement. Et Paul Coldrick qui va plutôt se dessiner sur les rouges, finalement. Avec une table extrêmement éclatée, forcément, avec beaucoup moins de billes aussi. Et cette replace, encore une fois, hein, compliquée. Il s'en veut, Paul Coldrick. Il sait hein, que cette replace est trop longue. On le revoit ici à l'écran. Trop de puissance à donner. Avec le rejet, hein, c'était bien vu hein, de la part de Paul Coldrick. L'angle donné était bon, mais trop de puissance derrière ce coup. Là, il va être obligé de passer par la bande. Magnifique. Très beau coup réalisé là par Paul Coldrick. Avec la bande, et il se met à chaque fois dans des situations extrêmement compliquées, mais derrière, il arrive à rattraper ses erreurs. C'est aussi la marque des champions. Il arrive à revenir, et malheureusement, vraiment le sort qui s'acharne sur lui à chaque fois sur des replaces, et il se fait avoir en touchant la noire, et dépité,
il balance le coup, alors il arrive quand même à toucher la rouge. Hein. Heureusement pour lui, pas signalé de faute, mais bon, désormais Patrice Selin est en bonne voie pour finalement, au bout d'une bonne demi-heure de jeu, aller remporter cette 7e manche et revenir à une manche de retard 4-3. Bon, il est parti même avant d'avoir vu la bille rouge s'arrêter. Paul Koltryk, alors que Patrice Selin a empoché la première jaune déjà. Encore 3 à éliminer avant de s'attaquer la noire. Sans empion, Patrice Selin qui a décidé une nouvelle fois de tenter de bloquer Paul Koltryk. On le sait, hein, c'est un jeu de nerfs et Paul Koltryk qui est très expressif forcément. Peut-être un peu de mal à gérer ses émotions. Attention à cette blanche, hein, ne pas rentrer, ça va. Mais c'est un jeu extrêmement nerveux que développe Paul Koltryk et forcément ça le fait aussi faire quelques petites erreurs qu'il ne réaliserait peut-être pas d'habitude. Et Patrice Selin essaye d'en profiter de ses petites erreurs. Mais qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que c'est serré à chaque manche. Allez, Patrice Selin qui empoche. Plus que deux jaunes pour le Breton. Il y a cette bille tout en bas de votre écran, tout en droite maintenant de votre écran qui est accessible. Et derrière, comment se replacer efficacement pour la dernière jaune et ensuite finir avec la noire. Alors, quel choix il va opérer. Se porter sur la jaune la plus en haut. Comment est-ce qu'il peut s'en sortir ici avec une empoche? Ça paraissait très compliqué, encore une fois, c'est un coup extrêmement compliqué, mais malgré tout, avec le rebond de la jaune, il arrive à la cacher devant la rouge. Non, pas cacher complètement, je pense, il doit y avoir un petit espace. On va revoir cette tentative de Patrice Selin. Avec ce rétro et cette bille jaune qui est venue se poser devant la blanche. Paul Koltryk qui doit être dégoûté là du bien. Il va se dire, je vais peut-être me remettre au snooker moi. Ah, c'est pas le genre de partie qu'on aime spécialement effectuer. Hein, quand on est comme ça un peu pris au piège par les défenses de son adversaire. On n'arrive pas du tout à développer son jeu. C'est extrêmement frustrant, mais c'est aussi la force de Patrice Selin d'arriver à rester concentré, de continuer à embêter son adversaire, à vraiment l'amener comme ça sur des parties très longues, douloureuses hein, quelque part, même parce que voilà, mentalement il faut vraiment rester accroché. C'est aussi un art quelque part. Qui nous montre Patrice Selin. On l'avait vu hein, tout à l'heure. L'attaque n'était pas forcément la meilleure des solutions, hein, notamment avec Kylian Ballon ou encore avec Christophe Lambert. Les deux joueurs qui étaient souvent partis à l'attaque avaient finalement payé le prix fort à la fin de ces deux rencontres. Même si Kevin Lelon est un excellent attaquant également, hein, ce n'est pas la question. Mais voilà, Patrice Selin, désormais sur la noire. Pour peut-être coller à 4-3 et s'offrir une chance de pouvoir recoller. Dans cette partie, on ira, quoi qu'il arrive,
au-delà du temps réglementaire. Et cette noire qui ne rentre pas. Cette noire qui vient mourir devant la poche, rebondit et qui s'en va. Elles sont ces coups-là hein, qui peuvent vraiment faire mal. On le revoit ici. Et il n'est pas droit. Patrice Selin. Pas assez appliqué sur ce coup-là. Et il s'en veut. Hein. On l'a vu prendre directement sa serviette. La mettre au niveau du visage en disant « Mais c'est pas possible. Comment je peux rater des coups pareils ?» Ouais, je vous l'assure. Hein, nous... 9 fois sur 10 on les rate ces coups là et ces joueurs là avec ce niveau là d'expérience ils peuvent pas aller rater ces billes et Paul Coldrick du coup qui vient empocher cette 7ème manche et mener 5-2 alors qu'il reste un tout petit peu plus d'un quart d'heure à jouer et Paul Coldrick qui s'est quasiment assuré la victoire et une place en quart de finale. On n'ira sans doute pas hein, au bout de cette partie. Mais il est soulagé, Paul Coldrick. Après avoir réalisé quelques petites erreurs encore une fois dans cette manche qui a duré à quasiment 40 minutes. Et on était sur des bases d'un record là. D'une durée de manche. Et finalement, la tournée à l'avantage de Paul Coldrick sur la noire, qui sera d'ailleurs à la casse pour cette 8ème manche. Paul Coldrick, qui a déserté pour quelques instants la table. On revoit l'empochage de cette noire et le gain de cette 7ème manche si importante hein, parce que on pouvait le revoir hein, Patrice Selin si jamais il y avait 4-3 et du coup avoir une opportunité de recoller à 4-4 et potentiellement avoir une manche décisive et là le fait que Paul Coldrick ait pris une petite pause et gagner surtout cette 7ème manche, ça ne fait absolument pas les affaires du joueur de Dinard dans l'Ille-et-Vilaine. Et voilà, Paul Coldrick qui est revenu. Nouvelle bouteille d'eau, c'est Patrice Selin de casser, autant pour moi. Bon, c'était à Paul Coldrick, mais non. Et Patrice Selin maintenant qui est obligé hein, de devoir jouer plus offensif, il n'a pas le choix. Mais malheureusement pour lui, il n'empoche pas sur cette casse. Et ça va compliquer sérieusement ses chances de victoire. Désormais, on voit cette casse plein centre, un petit peu excentré côté gauche, mais première bille. Et notamment cette bille rouge en haut à droite de votre écran qui est venue mourir devant la poche. On n'a pas réussi à empocher. Table assez ouverte pour Paul Coldrick, avec une légère préférence pour les rouges, j'aurais tendance à dire. Même s'il y a cette bille là. Tout en haut de votre écran, au niveau de la poche centrale qui reste un petit peu délicate à jouer, à cause de la jaune notamment. Et voilà, Paul Coldrick qui va choisir les rouges pour cette 8ème manche, qui maintenant voilà, se sent peut-être plus soulagé hein, d'avoir remporté cette 7ème manche. Elle a été si longue à se dessiner. Et là, le Bigeois qui va prendre tout son temps pour jouer. Et il sait que le temps joue pour lui. Il en a complètement conscience. Et cette bille rouge également, j'avais pas vu en bas de votre écran, là qui est aussi collé à la bande. Qui représente une petite difficulté hein, pour le français. Et on est reparti sur les mêmes bases. Paul Coldrick qui n'a vraiment pas lâché hein, cette affaire. On sent que ça, hein, il en a fait une affaire personnelle de vouloir jouer comme ça avec Patrice Selin, l'empêcher de pouvoir jouer ce qu'a réalisé le Breton pendant
quasiment toute la partie et Paul Coldry qui veut lui refaire la même. C'est bien fait là de la part de Patrice Selin qui a tenté de passer cette jeune. Pas rentré, mais en tout cas il a pris le contrôle de la poche. C'est déjà ça. Alors qu'il reste plus que 12 minutes hein, au compteur. Il faut vraiment passer la vitesse supérieure pour Patrice Selin. Emporter au moins 3 manches pour s'offrir une manche décisive. À 5-5, ça paraît délicat maintenant. Surtout si ça dure comme ça encore, cette huitième manche. C'est pas parti. Enfin, c'est encore une fois parti pour durer. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est aussi le jeu à faire. Parce que ces jeunes, elles ne sont pas atteignables non plus. Il y a deux jeunes qui sont bloqués en bas à droite, deux jeunes qui sont bloqués au milieu. Une jaune également en difficulté bloquée en bas à gauche si jamais elle n'est pas dans le bon angle. Il y a très peu d'options hein, pour Patrice Selin. Et on retourne une nouvelle fois sur une table assez compliquée. Il y avait quelques espaces à exploiter. Mais bon, on décide de faire tourner le chronomètre pour Paul Coldrick. C'est clairement pas le match le plus emballant, on peut pas se mentir de cette journée, on a vu des plus beaux matchs tout à l'heure. Mais je vous promets, on en aura des meilleurs. Tout à l'heure, en après-midi, c'est John qui a empoché hein, par Patrice Selin pendant ce temps avec l'appui de la jaune. Mais je vous le disais, hein, tout au long de l'après-midi, on aura la fin des huitièmes de finale, les quarts, les demi, et la finale ce soir. On avait prévu 20h. Parce qu'on sera peut-être pas dans les temps avec ces matchs qui durent un petit peu plus longtemps que prévu. Mais ça nous laisse encore beaucoup de spectacles à voir tous ensemble et on va se régaler pour cette fin de journée. Et beaucoup d'émotions encore à venir alors qu'on vient de passer la barre des 10 minutes restantes dans cette partie. Et Paul Coldrick qui va jouer encore une fois en douceur. Ouais, véritablement en mode snooker là, Paul Coldrick. Essayer d'embêter le plus possible son adversaire. Sans pour autant empocher, faire durer le plaisir, si on peut appeler ça un plaisir bien sûr. Et pour l'instant, alors qu'une bille empochée depuis maintenant quelques minutes. Alors on s'amuse comme on peut ici. Hein. Essayer de profiter du spectacle, mais c'est compliqué et Paul Coldrick. Et Patrice Selin, et ils n'ont pas envie de proposer du spectacle, en tout cas, on n'a pas l'impression qu'ils en ont spécialement envie. Et ça risque de jouer comme ça pendant encore les 10 minutes de jeu. C'est tout à fait possible. Il y a déjà eu une fois un pat, un peu à la mode échec, hein. C'est jamais aucun jeu n'est possible. On relance. Ouais, c'est pareil, on est revenu sur les mêmes bases. Entre cette 7ème manche et cette 8ème manche, on aura quasiment passé plus d'une heure. En seulement 2 manches. Et surtout, voilà, un jeu qui est encore une fois complètement bloqué en haut à droite de votre écran. Avec pas moins de 6 billes, même 7, hein, on peut la compter, celle qui est la plus à gauche en haut à droite, là. Qui elle aussi est bloquée. Pour cet amas de billes. Ah, et voilà, Paul Coldrick qui a empoché une rouge ici. Avec un beau coup tout en puissance. Il a dégagé un peu le passage. Et toutes les billes qui ont éclaté ici. Très bien joué de sa part. Derrière, va-t-il confirmer? C'est ça la question. Ah, ça n'a pas l'air.
Il y avait la poche centrale qui était disponible, mais il préfère une nouvelle fois contrôler la poche. On revoit son coup avec une bille rouge qui a bien été touchée avant de contacter toutes les autres billes. Et finalement, la bille la plus proche de la poche qui a fini par tomber. Et maintenant, Patrice Selin, il est dans l'obligation d'empocher. Il n'a pas le choix. Et bon, il préfère ne pas empocher. Il va vraiment aller au bout de ce timer. De toute façon, on le sait maintenant. Il n'a pas d'autre choix. Et ça va se finir sur une qualification de Paul Coltrick en quart de finale. Paul Coltrick qui pourrait être opposé à Abdou Adlen ou Alexis Klinka en quart de finale. Abdou Adlen qui avait notamment profité du forfait de Joan Lorek. Ils étaient trois forfaits avant le début de la compétition ce matin. Joan Lorek, Cédric Massol ou encore Jonathan Lefebvre qui n'avait pas pris part à ce début de journée et qui avait dû déclarer forfait. Allez, avec cette rouge, elle ne peut pas être empochée. On aurait presque voulu qu'il y ait une faute là, de la part de Patrice Selin pour que ça bouge un petit peu, parce que là on est clairement en train de préparer notre sieste. J'espère que vous avez encore les yeux ouverts de votre côté. Et on se bat ici pour le conserver. Il y a des billes qui sont empochables pour Paul Coltrick. Mais est-ce qu'il va choisir de tenter sa chance ou au contraire là, de continuer à jouer un petit peu défensif? J'ai l'impression que ça part là-dessus. Voilà, avec cette bande. Positionner la bille blanche le plus loin possible des billes jaunes pour qu'elle ne soit pas empochable. Et donc, encore une fois, compliquer la tâche à Patrice Selin, qui va devoir se défendre. On a passé la barre des 5 minutes. Allez, plus 5 minutes dans cette partie. Paul Coltrick est debout. Il sait que ça va être à lui au prochain coup. Est-ce qu'on va avoir la fin de la 8e manche quand même avant la fin du timer? Ah bah peut-être, on a une bille rouge qui a été empochée par Patrice Selin. Donc une faute. Paul Coltrick qui est interdit désormais. Il n'a pas à choisir de déplacer la blanche. Il a raison. Ah, même si cette bille rouge ici a un peu bougé après le contact et l'appui de cette deuxième rouge là. Avec l'empochage poche centrale. On voit presque énervé Paul Coltrick, peut-être d'avoir joué comme ça pendant 1h30. Un petit peu plus. 1h45 déjà de jeu. Allez, peut-être qu'il va pouvoir enchaîner sur ces trois billes rouges. Ouais, je sais pas si c'est assez suffisant là, cette replace. Peut-être qu'il en manque un petit peu encore pour pouvoir la prendre poche centrale. Il va la tenter en tout cas en finesse. Ça peut passer. Et ça va passer même. Au Paul Coltrick qui n'a plus qu'une rouge à empocher. Et s'adjuger à une 8e manche. Pour peut-être. C'est tant jamais. Arriver à 6-2 et peut-être même 7-2 avant la fin du temps imparti. On peut y croire encore. Il pourrait presque se dépêcher avant de jouer cette noire. Mais bon, prendre tranquillement son temps. Valider au moins cette 8e manche. Après avoir sorti toutes les rouges là. Il ne reste plus que la noire pour Paul Coltrick. Il y a un peu plus de 2 minutes 30 encore à jouer.
Encore jouable, hein. Il pourrait peut-être finir cette partie avant la fin, dès 1h50. Allez, Paul Koldrick avec cette noire. Et c'est bon, c'est rentré. La 8ème manche pour Paul Koldrick, qui valide encore un petit peu plus sa place en quart de finale, qui va encore avoir en plus la casse. Non jamais, hein, si jamais il en empoche plusieurs. Il pourrait peut-être finir avant la fin des 110 minutes. Au bout de l'ennui, on va pas se cacher. Mais en tout cas, Paul Koldrick il s'est montré assez sérieux. On revoit l'empochage de cette noire. N'est pas simple, hein, attention, avec cet angle presque en face là. Il fallait donner la bonne quantité de billes pour l'envoyer dans la poche. Et c'est parfaitement réalisé. Allez, la casse de cette 7ème manche, potentiellement la dernière. Hein. On imagine en tout cas que ce sera la dernière. Et malheureusement, oui, il y a quand même une jaune qui a été rentrée. Paul Koldrick qui va rester autour de la table pour le choix des couleurs. Une table qui est ouverte. Peut-être les rouges plus accessibles. Cette rouge notamment là qui est bloquée un peu au milieu avec deux jaunes autour, une noire également. Et bon, ce sera plus le choix de Paul Koldrick avec la rouge. Voilà, et se sortir, c'est ça, la noire du passage, pour justement se laisser maintenant la place de pouvoir évoluer avec cette roue justement que je disais qui pouvait potentiellement représenter un problème. Il peut la sortir tout de suite ou alors choisir aussi la rouge en bas à gauche de votre écran, qui est aussi accessible vers la poche du bas. En tout cas, ça y est, là, il est parti. Peut-être une ferme dans cette partie, on y croit. Ça serait beau pour finir, pour conclure en beauté cette partie. On y croit en tout cas ici. Alors Paul Koldrick, il doit aussi se remettre un peu dans le bain, hein, parce que ce type de match était très long, très nerveux. Il faut aussi... arriver à empocher. Alors est-ce qu'on va aller au bout de cette 9ème manche? Là on est au bout du temps imparti. Je pense qu'on va quand même aller au bout, ouais, pour terminer cette partie. Paul Koldrick qui est en poche. Il n'y a plus que 3 rouges. Et non, ce sera la fin, on n'ira pas jusqu'au bout de cette 9ème manche. Et Paul Koldrick qui s'impose finalement au bout du temps imparti. Après les 1h50. Ah, qui aurait presque pu hein, aller jusqu'au bout, mais bon, on n'ira pas jusqu'à la fin. Les deux joueurs qui rigolent entre eux. Ça a été un match intense, hein, on va pas se mentir. Ça a pas été le match le plus fou de cette journée, mais voilà, on aura d'autres émotions à vous procurer en milieu d'après-midi et également en début de soirée. Il y aura évidemment la finale à suivre en soirée. En tout cas, Paul Koldrick est en quart de finale et il sera peut-être opposé à Alexis Klinka en quart de finale. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette journée. À plus.